Et coucou mes Utterfists, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Donc c'est parti pour ce débriefing du quintet du jour. Donc c'est parti pour ce débriefing du quintet du jour. Mais avant ça, on va regarder la fin de course. Avec Karaskadgez, colonel, qui a pris nettement l'avantage désormais devant Karaskadgez, qui lutte avec Viking d'Hermès, colonel, qui n'est plus dans les bonnes allures. Un colonel qui s'est perdu, semble-t-il, et c'est Karaskadgez qui en profite pour s'imposer devant Ange de Lune. Donc, l'arrivée, alors, ce 3, Karaskadgez. Voilà, donc j'ai... Dommage pour, on va dire, colonel, hein, qu'on voyait, s'il se met pas un peu à déconner à la fin, ben, je pense que pour moi, il avait course gagnée, voilà. Parce qu'il se trompe sur ses allures, mais je pense qu'il aurait gagné. Donc j'ai un peu les boules, voilà. Surtout qu'il me fait perdre un beau ticket. Ben, il me fait perdre l'ordre parce que je pars avec, je fais 2 et 3. Après, je mets 3x et je joue mes 4 chevaux derrière. Donc voilà, vous avez tout compris, à cause de colonel, il m'a tué le quintet. Voilà. Mais bon, c'est comme ça les courses. Donc le 3, Karaskadgez, qui gagne. Donc comme j'avais dit, avec Alexandre Rivard, c'est pas pour rien qu'il est dessus. Karaskadgez, je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû l'oublier qui c'était. Moi, je l'ai mis de suite dans mes bases. Hein. Voilà. C'était le couplet caisse Bazir et le 2 sur 4 à faire. Mais bon, colonel, il nous a tout tué. Voilà. Après, deuxième position, ce 5, Ange de Lune. Meilleur chrono, Mathieu Abrivard, mon jockey préféré, spécialiste de 2100. Encore des stats qui rajoutent encore. Voilà. Troisième position, ce 7, Viking d'Hermès, qu'on avait dans l'outsider. Eric Raffin, le cheval, il montait de Cagnes-sur-Mer. Donc, il ne venait pas pour faire voilà, le tour de la Tour Eiffel, on va dire. Quatrième position, ce 10, l'ancien Lucas. Alors qu'on avait dans l'outsider, et ceci c'est Cliff du Pombreux qui finit cinquième. Voilà, donc on peut voir que même si Colonel aurait gagné, on avait quand même les 6. Hein. Voilà, donc c'était du 6 sur 6. Dommage que j'ai pas l'ordre. Voilà, donc mais bon, on a quand même des gains aujourd'hui. Chercher des ordres, carter des ordres, quinter des ordres et plusieurs bonus. On se retrouve pour ce quinter de lundi. Donc attention lundi, petite course de femelle, ce sera le prix de 100 lisses, 15 partants, européenne, sur les 2100 mètres grande piste. Jouez tranquillou les amis, voilà, parce que ça m'a l'air un petit peu un quintet encore piège, peut-être des grosses surprises, donc mollo mollo, peut-être un deux spots aussi. Voilà, donc nous on va commencer par le pronostic. Alors, le pronostic pour ce quintet de lundi. Donc, mes trois bases, ce sera le 13, Nob Dolly avec Nicolas Bazir, déféré des 4. Voilà, donc je pense qu'elle peut déjà gagner ce quintet, parce que notamment elle a affronté des loups plus durs. Après, je vais mettre ce 3, Danaï de Corberie. Voilà, depuis qu'elle était déférée des 4, la dernière fois, elle a très bien gagné. Cette fois-ci, elle est encore déférée des 4 avec ce numéro 3 à terre, l'Autostar. Ça va être encore dans le bon trio de tête. Après, je vais mettre ce 7, Igolinast. Igolinast, en valeur pure, c'est le meilleur en termes de chrono, parce qu'il a trotté une 10-6. Donc, c'est des chronos comme Ange de Lune, des très bons chevaux, attention. Donc, Igolinast, comme c'est une petite course de rentrée, voilà, ça fait déjà 3-4 mois qu'elle n'a pas couru. C'est pour ça que je ne mets qu'en troisième position. Mais attention, hein, peut-être qu'elle peut déjà gagner lundi. Donc, moi, je ne mets qu'en troisième position, ce 7, Igolinast. Outsider, donc là je vais tenter un peu des belles petites cotes, hein, parce que vous savez très bien que le quintet de lundi c'est des quintets de folie. Donc je vais mettre ce 6, Digital Prior, qui a très bien couru dernièrement. Il rendait 25 mètres, il finissait 4ème je crois, et en plus là les 2100 mètres grande piste, il a déjà très bien fait. Je crois qu'il a gagné deux fois sur ce parcours avec ce numéro 6 derrière les ailes de l'Autostar, pourquoi pas. Voilà, je vais mettre ce 8, Chayanne de Calvi. Eh bien, Chayanne de Calvi, c'est la même chose que Digital Prior. Ils avaient couru ensemble dernièrement. Digital 4e et Chayanne de Calvi 5e. Rendez aussi 25 mètres. Cette fois-ci, confié à Eric Raffin. Pourquoi pas? Moi, je la mets avec Erico. On ne sait jamais. Pour une très belle cote.
Et je vais mettre ce 5, Comet Devo. J'ai bien aimé sa course avec belle émotion. C'était sur les 2100 mètres, mais c'était grande et petite piste à Vincennes. Les deux, ils sont partis, voilà, ils ont fait course. Donc, Comet Devo, attention. Mon regret, le 9, Daily 8 avec Franck Nivard. Attention, au stade la stat de foot, je crois que c'est du 9 sur 9. C'est-à-dire que chaque fois avec Nivard dessus, ils ne sont pas sortis des 5. Donc, peut-être ça sera, voilà, peut-être ça va me faire regretter pour cette stat-là. En bas, comme d'habitude, vous avez mes jeux. Alors, notre 2 sur 4, ben, quand on a la poisse, on a la poisse. Hein, voilà, donc j'avais dit de faire le couplet Bazir, c'est-à-dire le 2 Colonel et les 3 Kalaska de Gèze. Voilà, les derniers mètres, je me suis dit c'est fait, tranquillou, et ben, Colonel, voilà, qui nous enlève tous nos jeux. Hein, 2 sur 4, voilà, donc qui passe pas. Le 2 sur 4 pour lundi, je vais mettre ce 13, Noble Dolly. Voilà, Noble Dolly. Et je vais mettre aussi ce 3 Danaé de Corbery. Je pense que c'est deux juments qui peuvent rentrer dans les 4. Et voilà. Le report d'aujourd'hui, j'avais tenté deux couplets gagnants placés. Hein. C'était dans la troisième Battle Quintet, ben, Colonel Inotu, Kalaska premier. Voilà. Et dans la septième, j'avais dit Guy Duripré premier. Et Greengrass disqualifié. Mais de toute façon, on aurait fini cinquième peut-être. Ouais, cinquième. Donc, mais bon, ou quatrième, je crois, elle a fini quatrième, mais disqualifié dans les allures. Voilà, on arrive à trouver les premiers, mais voilà, dommage. Le report pour ce lundi. Donc, il y aura deux courses et je veux jouer en simple gagnant placé. Donc, dans le quintet, course 1, ça sera ce 13, Noble Dolly. Et dans la cinquième, ça sera le 11, Easy Touch. Voilà, je pense qu'elle descend un chouïa de catégorie. Bien placé au gain. Attention à ce 11 Easy Touch. Même s'il y a la jument de Raffin, hein, étoile vrille. Hein, voilà, avec Baudron qui est en forme. J'ai envie de tenter ce 11 pour une belle petite cote. Et pourquoi pas la gagne. Donc c'est les Noble et Daily et Easy Touch pour lundi. Report simple gagnant placé, les amis. Voilà, moi je vous dis, comme toujours, bon jeu, bon week-end et à demain.